Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avram Chaim Norbert Ben Fortuné Mazal, Rachamim Ben Rosa, Yedida Bet Esther. Si vous souhaitez vous aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le Sacrement Éternel. Nous étudions aujourd'hui Maserhet Erechin, Perekret, Mishnah Zain, Macharim Adam et Kodashav, Ben Kodashim Gadashim, Oven Kodashim Kalim. Im Neder Notenet Adamim, Im Nedava Notenet Tovato. Et on commence à expliquer. Shorze Ola Omdim Kamadam Rotsiliten, Beshorze Lealoto. Ola, Sheno Rashai. Abechor, Ben Tamim Ben Baalmum, Machramin Oto. Ketzad Podin Oto. Apodin Omdim, Kama Adam Rotse Liten, Bivchor Ze, Litino Leven Bito, O Leven Achoto. Rabbi Ishmael Omer, Katuv Echad Omer, Tagdish. Vekatuv Echad Omer, Al Tagdish. Yefchar Lomar Tagdish, Shegvar Nemar, Al Tagdish. Yefchar Lomar Tagdish, Shegvar Nemar, Tagdish. Emor Meata, Magdisho Ata, Hegdesh, Ilui. On est dans la dernière Mishnah du Perek qui va donc clôturer le sujet des Haramim. Pour rappel, les Haramim, ça consiste à s'interdire un bien, comment dire, le réprouver, le blâmer, le dévouer dans le sens religieux du terme. C'est, ouais, je devais apporter la définition, j'avais écrit, c'est dévouer, c'est donner la... J'ai du mal à relire, mais c'est pas grave. Donner la vie d'une personne en sacrifice à une divinité. C'est la définition théologique du mot dans le dictionnaire sur Internet. Concrètement, en tout cas, ça, le principe du Kherem, donc ça consiste à vouloir dire, ça y est, cette chose-là, je l'interdis, je veux plus... Je l'interdis. C'est un peu lié aux formes de Nedarim. Concrètement, la Torah a dit, ben, quand tu le prononces, quand tu fais un Kherem, sache que ça ne va pas devenir quelque chose qui va être interdit à éternité, au contraire, on va en faire bénéficier soit les Kohanim, soit le Bedek Abayit, selon le cas que tu as explicité. On avait même appris qu'il y avait une discussion, lorsque tu ne précises rien, est-ce que c'est le Hekdesh qui va en tirer profit, ou est-ce que c'est les Kohanim qui vont en tirer profit? C'était dans la Mishnah précédente. La Mishnah précédente se concluait en rapport justement à cette discussion qui est entre Rabbi Yehuda ben Betera, je crois, et Chachamim. Alors, est-ce que c'était Stam Chachamim pour le Bedek Abayit ou Stam Chachamim pour les Kohanim? En tout cas, en rapport avec les Psukim qu'on avait rapportés, alors la Mishnah précédente se terminait en nous disant que la Torah l'a innové quelque chose, en nous disant qu'on peut même prononcer un Cherem sur les Kodashim, sur les Korbanot qui sont déjà sanctifiés. C'est quelque chose de pas tellement logique initialement, si ce n'est le fait que la Torah l'a dit malgré tout que ça marche. Pourquoi? J'explique très brièvement, c'est nécessaire pour pouvoir ensuite comprendre le principe de la Mishnah. Prononcer un Kherem, c'est cette chose-là qui est à moi, ben je le rends Kherem, ça y est, j'ai plus le droit d'en tirer profit. La Torah l'a dit, bon, c'est vrai, tu l'exclus maintenant tu l'as exclu de ta propriété, mais donc on va en faire bénéficier, disons, les Kohanim. Mais on avait appris dans les Mishnahs précédentes que ça ne concerne que les choses qui t'appartiennent. Je ne peux pas prononcer un Kherem sur une chose qui appartient à mon ami. Même s'il a l'habitude de me prêter, par exemple, son appareil photo, je dis, ben maintenant je vais faire un Kherem sur ton appareil photo, je ne peux pas, parce que ce n'est pas à moi. D'accord? Selon ce principe, en théorie, un Korban, par exemple, lorsque j'ai un Korban chez moi, Korban Ola, Shlamim, toutes sortes de Korban qu'il peut y avoir, eh bien, le Korban ne m'appartient plus, puisqu'il est, il a déjà été sanctifié, il appartient. Maintenant, il est devenu la propriété du Bet Hamikdash. Donc, je ne pourrais plus, en théorie, le rendre Kherem. Mais la Torah l'a malgré tout inclus dans le Pasuk, qui se dit Kherem. Il y avait un Pasuk qui nous disait Kol Kherem Kodesh Kadeshim ou Lachem. Tous les Kherem, ils sont Kodesh Kadeshim Lachem. Que là-bas, la Mishnah précédente conclurait en nous disant que le Hekdesh va fonctionner, mais le Kherem va fonctionner même sur ce qui est Kadosh. Du coup, alors, le principe, en fait, il est que ce que la chose représente pour moi, je vais le rendre kadosh. C'est une donnée un peu floue, mais ça va s'exprimer de deux manières. Et je commence d'abord par traduire la longue première phrase. « Macharim adam et kodashav » Un homme peut rendre cherem, peut prononcer un anathème sur ce qu'il a chez lui qui est déjà kadosh. « Ben kodshi kodashim » Qu'il s'agisse de kodshi kodashim, de korbanot qui sont kodshi kodashim, qui ont une sainteté plus forte, qui ne peuvent même pas être consommés par les hommes, par le Am Israël, mais juste par les Kohanim, ou même plus que ça, le Ola, qui est Bichlal, pas consommé, mais qui est entièrement brûlé sur le Beth Amikdash, ou Ben Kodashim Kalim, ou même s'il s'agit de Kodashim Kalim, qui ont une Gdusha moins intense,
qui peuvent plus être consommés par les bénis Israël, qui peuvent être consommés dans tout Yerushalayim, comme ce qu'on a trouvé dans Masechet Zvachim. Et la Mishnah continue en me disant Im Neder notenet adamim, s'il s'agit d'un vœu, eh bien il devra donner la valeur, Im Nedava notenet tovato. Et s'il s'agissait d'un don, eh bien il devra donner ce qu'il. Le profit qu'il aurait pu en tirer malgré tout. Voilà où je voulais aboutir. Et je continue d'ailleurs la Mishnah qui va me donner un super exemple. Chorze Ola, s'il avait dit ce taureau-là sera un Ola, alors on me dit qu'à Madame Roseliten Bechorze, on va évaluer combien un homme accepterait de donner pour un tel taureau, les Aloto Ola Sheino Rachai. Pour en faire don d'une Ola au Beth Amikdash, Sheino Rachai qu'il faut traduire par Sheino Chayav. C'est comme ça que le Bartonor rapporte en la Gemara, Sheino Chayav. C'est un mot utilisé de l'araméen, que Rachai, ça veut dire Chava, en tout cas qui n'est pas imposé. Et là, je m'arrête et j'explique un petit peu de quoi on parle. Par où je vais commencer? Ça va aller, vous en faites. Regardez, on a une notion qu'on a déjà appris plusieurs fois, la notion des Nedarim et des Nedavot. Lorsque je vais prendre un animal et en faire un korban, Ola, je peux soit dire Are Alay Ola, soit je peux dire Are Ze Ola. Are Alay Ola, je prends sur moi d'apporter une Ola. Lorsque je prononce une telle phrase, alors, ce que je me suis engagé, c'est pas d'apporter, c'est je me suis engagé moi personnellement à apporter un Korban Ola au Beth Amikdash. Donc si maintenant je vais prendre un animal et je vais le désigner, alors c'est vrai que lui il est Korban Ola pour le moment, il est destiné à être le Korban Ola. Mais malgré tout, puisque j'ai un devoir moi personnel d'apporter ce Korban Ola, alors il représente une valeur monétaire très importante pour moi. Parce que s'il va le disparaître, il va disparaître, quelqu'un va venir va le voler. Moi, quoi qu'il arrive, je devrais apporter un nouveau Korban pour l'apporter. Parce que puisque j'ai pris sur moi, j'ai fait le vœu d'apporter moi un Korban Ola, alors même lorsque je le désigne, je suis chayav b'acharayut. Je suis engagé par le, je dois le garantir. Je dois garantir le bien. Mais que s'il va disparaître, je devrais apporter un autre à la place. Donc, ce rapport que j'entretiens maintenant avec cet animal, qui fait que maintenant il est censé m'acquitter à moi de mon devoir, fait qu'il a un rapport beaucoup plus fort avec moi qu'il considérait comme mon animal. De ce fait, lorsque je prononce un chérem sur un tel animal, alors je devrais payer sa valeur entière. Je sais que c'est flou, pour le moment je passe à l'autre cas. Et au fur et à mesure on va revenir dessus et puis vous habituez à la notion. Nedava par contre, lorsque je fais un don, je veux dire, ce korban là sera une Ola. Regardez là, j'ai pas dit que je vais prendre sur moi d'apporter une Ola. J'ai dit que cet animal là, il va partir en Ola. Et qu'est-ce qui se passe si demain il meurt? Eh bien j'apporterai pas d'autre Ola à la place. Donc là j'ai fait un don d'une Ola. Donc moi, il ne va pas venir m'acquitter de quoi que ce soit ce korban. J'ai juste un devoir, tant qu'il est là, je dois l'apporter. Donc là, concrètement, il ne représente pas beaucoup d'argent pour moi. Si ce n'est le fait que, il y a malgré tout, beaucoup de gens, tzadikim, qui veulent, si possible, s'ils ont la possibilité d'apporter un korban en payant quelque chose de symbolique, eh bien, ils sont prêts à le faire. Je propose maintenant. Je vais vous dire, vous savez qu'il y a une très grande mitzvah de Pidyon Peter Hamor, une mitzvah assez rare, qu'en général, il y a beaucoup de rabbanim qui ont la chance de le faire, parce que comme ils sont... alors on les invite pour leur permettre de le faire, chose que moi, le petit Rama Mogos, on m'a jamais, par exemple, invité à faire un korban Peter Hamor. Alors si quelqu'un va me demander de payer 5000 shekels pour faire un Peter Hamor, je vais dire, bon, je vais réfléchir, 5000 shekels, j'ai peut-être d'autres bonnes choses à faire avec 5000 shekels. Mais si on me dit, tu sais, tu donnes 200 shekels et tu auras la chance de faire un Peter Hamor, alors je suis prêt à le faire, d'accord, c'est normal. Selon le prix, on peut un petit peu se serrer la ceinture pour profiter au passage d'une petite mitzvah. Je reviens maintenant sur le korban Ola. Moi, je ne me suis pas engagé d'apporter un korban Ola, je ne désigne aucun animal korban Ola. Je rencontre mon voisin qui me dit, tu sais, j'ai un korban Ola à apporter au Beth Amikdash, ça dit de le prendre et tu l'apportes en ton nom. Alors sur une mitzvah pareil, je lui dis, moi, je suis prêt à mettre 200 shekels dessus. Il s'avère que le korban vaut pour moi 200 shekels. Parce que ça, la valeur monétaire que j'ai par rapport à cet animal, c'est que finalement, j'ai un petit kiff qui coûte 200 shekels, un petit plaisir d'apporter un korban Ola, de faire plaisir à Hachem, pour 200 shekels. Il ne coûte pas plus, parce que je ne vais pas moi m'amuser à aller acheter maintenant un mouton demain pour faire un korban Ola. J'ai plein d'autres choses à faire avec mon argent. Mais une petite somme symbolique, je suis prêt à le faire. Je récapitule maintenant, on a parlé donc du Neder et de la Nedava. Une notion qui apparaît dans tout le chasse, qu'on a déjà rencontré plusieurs fois. Chaque fois qu'on la voit, il faut la préciser un peu plus, et comme ça, on se familiarise avec elle.
Donc il y a le neder et nedava. Neder, c'est que je prends sur moi d'apporter un korban. Alors lorsque je vais désigner l'animal, c'est vrai que pour le moment, c'est cet animal qui est kadosh et pas un autre, puisque c'est lui que j'ai désigné. Mais puisque je suis aussi engagé, parce que c'est moi qui ai fait le vœu de le faire, c'est lui, si lui va disparaître, il va falloir que j'apporte un autre à la place. Donc cet animal-là, toute sa valeur, 2000 shekels, c'est ce qu'il représente pour moi. C'est ce qu'il représente pour moi. À la différence d'un autre korban que j'ai désigné, j'avais un animal qui traînait, j'ai dit, allez, lui, je te fais korban ola, toi, mais rezé ola. Donc c'est plus un neder, c'est ce qu'on appelle une nedava, c'est un don. Lui, il est là, tant qu'il est là, je le donne, s'il n'est plus là, ne doit plus rien. Là, la valeur qu'il représente, c'est plus de 2000 shekels, c'est peut-être 200 shekels, comme ce que je vous expliquais. Alors lorsque je vais faire un cherem, alors maintenant, on revient maintenant sur les rôles du cherem. Lorsque je vais faire un cherem d'apporter un cherem sur un animal que je vais apporter en tant que neder, alors on va me dire, mais tu sais quoi, tu vas donner la contre-valeur de tout le korban, puisque pour toi il représente 2000 shekels, donc tu vas devoir donner 2000 shekels au Beth Amikdash. Ou au Kohanim plutôt, excusez-moi. Parce qu'on est Stam Charamim, d'après Charamim, Stam Charamim, c'est pour les Kohanim. Donc tu vas devoir donner la contre-valeur 2000 shekels au Kohanim. Par contre, si c'était une Nedava, alors on calculera selon le cas par rapport à la Ola, comme ce que je vous ai dit, quelqu'un qui voudra faire plaisir, une petite mitzvah sympathique, au passage, sans dépenser trop d'argent, si ça coûte 200 shekels, il sera prêt à les mettre, eh bien, il devra mettre les 200 shekels, donc pour le... il devra donner 200 shekels au Kohanim. C'est exactement ce que la Mishnah nous a enseigné, et selon ce principe, on ne fait aucune différence. C'est-à-dire, chaque fois, on va calculer la valeur que représente la chose, si c'est un korban kodesh kodashim, qui est un korban ola, où on ne mange rien, à la différence d'un korban shlamim, qui est kodashim kalim, que si on me propose d'acheter encore un kodashim kalim, et de l'amener au Beth Amikdash, là je vais payer plus que 200 shekels. Vous savez pourquoi? Parce que le shlamim, je vais pouvoir moi-même le manger. C'est important d'avoir de la viande d'Yerushalayim. Alors c'est sûr que je préfère avoir moi mon korban personnel et tout ça, mais si on me propose pour 500 shekels, je vais accepter. Donc finalement, selon le type de korban, si c'est un neder, c'est la valeur intégrale. Si c'est une nedava, c'est la valeur que représente. Selon le cas, si c'est un kodesh kodashim, ça va avoir une valeur plus ou moins restreinte. Un kodashim kalim, une valeur un peu différente. Et on va encore évoquer dans quelques secondes le cas du Bechor qui est encore un petit peu plus différent. Et bien je devrais donner cette valeur au Kohanim toujours. Si vous avez compris, c'est super. Regardons, on fait ça dans les mots. Macharim Adam et Kodashav. Un homme peut prononcer un Cherem, un anathème sur ce qu'il est Kadosh chez lui, les animaux qu'il a Kadosh pour en faire des korbanes. Ben Kodesh Kodashim, qu'il s'agisse de Kodesh Kodashim, de Korbanot, super Kadosh, tel qu'un Korban Ola. Ou Ben Kodashim Kalim, ou qu'il s'agisse encore des Kodashim Kalim, des Korbanot qui ont une Gdusha moins forte. Im Neder, Noten et Adamim. S'il s'agit d'un Neder, alors il devra donner la valeur intégrale, comme on a expliqué, parce que Neder, quoi qu'il arrive, tu as une responsabilité très forte face à lui, puisque s'il n'est plus là, tu dois porter un autre, donc il vaut toute sa valeur. Donc lorsque tu crées Rem, tu dois donner toute sa valeur. Im Nedava, par contre, si c'était juste une Nedava, un don de Arezé. Alors dans ce cas-là, Noten et Tobato, il devra donner la Tobatana, ce qu'on appelle le profit que tu aurais pu en tirer, si c'est un Ola, le plaisir de se faire une petite mitzvah sur le haut passage, si c'est un Shlamim un peu plus. Par exemple, Shorze Ola, si quelqu'un il a dit par exemple initialement que Shorze Ola, ce Torah-là sera un Korban Ola, il ne s'est pas engagé lui à porter un Korban Ola, alors dans ce cas-là, Omdim Kamadam Rotseliten, on va évaluer, estimer combien un homme accepterait de donner, l'iten bechorze, pour donner pour ce taureau, l'ealoto ola, chez Enorachai, pour apporter un korban ola, alors qu'il n'en est pas imposé. Et comme ce qu'on a expliqué, ça coûtera l'équivalent de 200 shekels. Maintenant, donc pour le moment, c'est plus ou moins clair, on a les kodshikalashim, on a les kodashim kalim, nedarim, nedavot. Maintenant, il y a des korban un petit peu particuliers, qui sont en l'occurrence à bechor, le bechor. Le bechor, d'abord, qu'est-ce que je fais avec un korban bechor? On a étudié Maseret Brot il n'y a pas longtemps. On avait appris là-bas que le Bechor, il faut le donner au Kohanim, et le Kohanim en feront un Korban. Et ils le consommeront eux-mêmes sans qu'il y ait aucun profit pour les propriétaires. Alors partant de ce principe, quelqu'un qui va rendre Kherem son Bechor, comment il va pouvoir monnayer ce que représente le Bechor? Et sur ça, on a encore un moyen de monnayer. Concrètement, un Kohen n'a pas le droit de payer un Israël pour qu'il lui donne son Bechor, pour qu'il aille apporter Korban. Assour. Il y a un grave interdit de Kohanim, Amechazrim, Bevet Agranot. Un interdit des Nevim et une klala, une malédiction très violente sur ça. Donc, un Kohen n'a pas le droit de venir en cachette, me donner un petit billet,
pour que dans l'année, je vais lui donner tous les tourmotes et tous les dons qu'on doit faire au Kohen, que je ne donne que à lui. C'est sourd de faire ça. Ça s'appelle un Kohen Amechazer Bevet Ogranot. Il y a une klala spéciale. Mais il y a malgré tout quelqu'un d'autre qui peut payer pour un profit du Kohen. Imaginez, par exemple, j'ai une sœur mariée à un Kohen ou une fille mariée à un Kohen. Et j'ai envie de faire plaisir à mon neveu, à mon petit-fils, qui est lui-même Kohen, lui faire un petit kiff, que quand il va au Beth Amikdash, il pourra se manger de la bonne viande, par exemple. Alors là, dans ce cas-là, moi, qui ne suis pas Kohen, j'ai le droit de payer un Israël pour qu'il fasse bénéficier de ce don à mon petit-fils ou à mon neveu, par exemple. À mon neveu qui est Kohen. Donc là, combien est-ce que je serais prêt à payer pour ça? Pour que lorsque mon petit-fils ou mon neveu va partir en Beth Amikdash, qu'il ait un korban en plus à manger, qu'il mange de la bonne viande, des bonnes côtes d'agneau. Je serais prêt à payer 300 shekels. Eh bien, dans ce cas-là, toute personne qui possède un Bechor, il a en théorie ces 300 shekels, parce qu'il peut monnayer le mouton qui coûte 2000 shekels. Il peut le monnayer, en tirer sur ça 300 shekels, en recevant de l'argent d'un grand-père ou d'un oncle d'un Kohen. Alors, c'est ce que la Mishnah enseigne. À Bechor, le Bechor, ben Tamim, ben Baalmum, qu'il s'agisse d'un Bechor Tamim entier, donc qui va être offert en tant que Korban, ou même d'un Bechor Baalmum, qui est un Bechor qui a un défaut, que concrètement le Kohen a le droit ensuite de l'égorger, de le manger à sa guise. Alors, Macharéminoto, dans ce cas-là, on pourra, et le Kherem va fonctionner sur lui, va l'engager. Ketsad Podinoto, comment, selon quelle valeur on va le racheter, comment est-ce qu'on va calculer la valeur? Eh bien, Apodinomrim Kamadam Rotseliten, Bivchorze, Apodin omdim kamadam roteleten bifronze. Alors, ceux qui vont le racheter vont évaluer combien un homme serait prêt à donner pour un tel bechor, liteno le ben bito ou le ben achoto, pour en faire bénéficier du fils de sa fille, donc son petit-fils qui est Kohen, ou le ben achoto, le fils de sa sœur qui est lui aussi Kohen, leur faire ce petit plaisir de leur donner un bechor pour lorsqu'ils iront au Beth Amikdash. Et selon ce que ça vaudra, alors je devrais, si j'ai prononcé un chérem sur mon bechor, je devrais payer cette valeur. Voilà pour l'essentiel de la Mishnah. Maintenant, petit rappel. Tout ça, c'est parce qu'on avait appris, c'est important de bien recadrer ça. En théorie, le korban n'est pas à moi, donc je ne peux pas prononcer de kherem dessus. Autant qu'on apprenait que je ne peux pas prononcer de kherem sur ce qui ne m'appartient pas. Comme je vous ai dit au début du cours, votre appareil photo, je vais faire un kherem. Ce n'est pas le mien, je ne peux pas prononcer de kherem. Pour les kodashi, pour les korbanot spécialement, la Torah l'a inclus que, oui, ça fonctionne. On avait appris ça d'un pasouk plus haut, qui était dans la Mishnah précédente, qui me disait Kol Kherem Kodesh Kadashim Mul Hashem. Tout Kherem sera sanctifié pour Hashem, c'est-à-dire qu'on apprend là que le Kherem sera au Kohanim, bien qu'il ait une Gdusha qui appartienne à Hashem, donc c'est le Kodesh Kadashim. La Mishnah va continuer maintenant avec Rabbi Ishmael qui va me rapporter une autre source à cette même halakha exactement. C'est exactement le même principe. Une autre source. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael enseigne Ketuv Echad Omer Tagdish, Ketuv Echad Omer Lo Tagdish, Lo Tagdish, Al Tagdish. Un pasouk qui me dit Kol Bechor Asher Ivaled Lecha Ivaled Takdish. Kol Bechor Asher Yulad Takdish. Tout Bechor qui va te naître, tu le sanctifieras. Donc il y a marqué ici que je dois sanctifier un korban Bechor. On va expliquer bien sûr. Katou Bechad Omer A Takdish. Un autre pasouk me dit non, tu ne sanctifieras pas. Il y a marqué là-bas Ach Bechor Asher Yevukar Lachem Babema Lo Yagdish. Ish Oto. Le Bechor, lorsqu'il naîtra, il sera naturellement Kadosh. Tu n'auras pas besoin de le sanctifier. Contradiction. Une fois tu me dis de le sanctifier, une fois tu me dis de ne le pas sanctifier. Tu es incohérent. Yev Charlomar Tagdish, Shekvar Nehemar Al Tagdish. Tu ne peux pas me dire que la Torah me dit de le sanctifier, puisque la Torah elle m'a dit que tu n'auras pas le droit de le sanctifier. Mais Yev Charlomar Al Tagdish, Shekvar Nehemar Tagdish. Et tu ne peux pas me dire que la Torah m'a interdit de le sanctifier, ou bien m'a dit que ça ne servait à rien de le sanctifier, puisque la Torah m'a dit qu'il faudra oui le sanctifier. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette contradiction? Il faut trouver une formule qui nous permet de slalomer entre les deux bornes sans se les manger dans la tête. D'accord? Il faut passer entre les deux, trouver un... Et c'est ce que la mission va me faire, Bartano, le Rabbi Shmuel, va me dire, eh bien, Emor Ma'ata, déduit de là que quoi? Magdisho Ata Hekdeshilu, tu le sanctifieras pour sanctifier la valeur du ilouï, du profit externe, extrinsèque, que tu peux en tirer de lui. Venata Magdisho Hekdesh Misber, mais tu ne pourras pas le sanctifier pour toute son Hekdesh qui revient au Misber. J'explique, c'est très simple en fait. J'explique un peu mieux. D'abord, le Bechor, d'un côté, le Bechor
il n'est kadosh. Parce qu'il a ouvert la matrice de sa mère, il est kadosh. Il est kadosh et j'ai pas besoin de le sanctifier en théorie. J'ai pas besoin de prononcer un hekdesh dessus. Et c'est, apparemment, c'est ce que la Torah m'a dit quand elle me dit que tu ne sanctifieras pas le kadosh. Ar bechor shor asher yevukar l'Hashem, ba behema lo yakdish ishoto. Le bechor qui va naître, le premier-né qui va naître, il sera pour Hashem, celui qui va naître parmi les animaux. Lo yakdish ishoto, un homme ne pourra pas le sanctifier. Ça implique aussi que tu ne pourras pas en faire un korban ola, un korban rien du tout. Il est bechor et tu le donnes au kohanim tel quel. Il n'y a aucune gdusha qui est khal, tu n'as pas besoin de parler. D'un autre côté, la Torah m'a dit ailleurs qu'il faudra que tu sanctifies tout bechor qui va naître, le nouveau-né. Tu devras le sanctifier. Or, il est sanctifié de lui-même. Alors, suite à cette contradiction, Rabbi Ishmael déduit de cela qu'en fait, eh bien, c'est précisément l'alaha qu'on a pris jusqu'à maintenant, que la Torah m'a dit que tu pourras le sanctifier, c'est-à-dire tu pourras sanctifier le hiloui, le profit indirect que tu peux en tirer profit, mais ne pas le sanctifier intrinsèquement lui-même. Le même principe que ce qu'on a étudié, à partir du pasouk qu'il y avait dans toute notre Mishnah, à partir du pasouk qu'on rapportait là-bas de Kol Chayim Kodesh Kodeshim Hashem. Ça c'est pour Rabbi Ishmael qui rapporte de ce pasouk. Chachamim, eux, déduisent ces halakhot-là, donc du pasouk de Kol Chayim Kodesh Kodeshim Hashem. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire de ce passage? D'un côté tu me dis de le sanctifier, d'un autre côté tu me dis de ne pas le sanctifier. Alors c'est précisément ce que je vous ai dit, que Rabbanan vont déduire de là, d'une part, que quand tu as un Bechor qui naît, tu ne pourras pas le sanctifier pour accomplir un devoir d'apporter ton korban Ola ou Shlamim, ouais, parce qu'il est déjà un kadosh de lui-même. D'une part c'est donc Rabbanan Avkalou Ardrasha Le'el Mikol Kherem, Artagdish Mibaeleulav, ah, pour te dire qu'il y a un interdit de le sanctifier. Shimat Piso, le Shem Zevachacher, au verbe lav. C'est-à-dire, en deux mots, tu ne pourras pas le sanctifier pour un autre Zevach. Tu ne pourras pas, si tu as un devoir d'apporter un Shlamim, tu pourras dire que ce Béron, il sera Shlamim. Tu ne pourras pas dire ça. Ça ne marche pas, et tu t'en laisses un interdit si tu le fais. Et lorsque tu me dis qu'il faut le sanctifier de manière active, c'est juste pour te dire que le Bechor, lorsqu'il naît, bien qu'il soit kadosh de lui-même, tu dois malgré tout le sanctifier, exprimer qu'il est kadosh. D'accord ? Comme ça, on a résolu tous les psukim. Succinctement, en fait, il s'avère qu'il n'y a pas de discussion fondamentale entre Rabbi Ishmael et Taël, le premier avis de la Mishnah, en fait. Et c'est juste de quel pasouk déduire. Mais mêlé, il va nous rester une petite discussion, est-ce qu'il y aura un interdit explicite pour celui qui va enfreindre la Kdusha du Bechor, comme ce qu'on en apprend tout de suite. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de safa comme tout. Salam.